Monsieur Q, comment nous y est, nous en forme? Bon, en tout cas. Mesdames et messieurs, puisse passer 20 moun perdit la vie yo dans zone sous matla. En bas attaque gang Canaan mélangé ensemble avec ISO 5 secondes. Chaque jour, niveau violence groupe armé yo a augmenté plus en de pays ya. Yo gen yon ampleur que y apprend avec yon vitesse qui exponentielle. Puis loin, mesdames et messieurs, nous gagnons base crash d'ife qui a dirigé par Vite l'homme innocent qui fait des dégâts dans Mayotte. Et la police nationale d'Haïti est obligée de courir quitter côté opération Satap Menéen puisque yon pas gagné assez capacité. C'est qui côté exactement bagay sa li même li prale, tenant compte de yon paquet politicien, yon paquet homme d'affaires, ensemble avec société civile diaspora qui mette ensemble afin pour capable financer groupe armé. Puis devant nous gagne commissaire gouvernement Jacques Lafontaine qui pas certifié ya, ensemble avec 4 subtiti commissaires qui mette tête yon ensemble afin pour créer yon cellule crise. Qui mission c'est l'île Crisa lui-même, li pral gagner pour le remplir exactement. Nous voyons tout détail dans un petit temps qui pas trop long. Yuri la tortue. Après elle te fin faire une vidéo côté elle te déclaré Luis Abinader fait fly dans question interdiction d'entrer ça puisque lui-même l'a continué produire ensemble avec ferme la tortue. Et mais Yuri la tortue mesdames et messieurs déclaré que Luis Abinader lui-même li nan parti pris, nous rappelons, nous, Don Kato li même pas bon côté parle, Assad Vossi, yo te fait même qualité déclaration ensemble, nous prenons de déclaration, Yuri la tortue nan micro correspondant nous, Josué Belamour. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons commissaire gouvernement. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons Ariel Henry. Ariel Henry, qui t'a parlé de insécurité pays d'Haïti, Ariel Henry, qui a parlé de élection en pays d'Haïti, alors que nous connaissons que situation lui-même, li poko prêt pour capable faire élection. Ensemble, nous prenons le temps des déclarations. Bonsoir tout le monde, bienvenue ou sur Info 5, chaîne information ensemble avec Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à Kubrick Information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage, merci ensemble avec vous-même qui toujours invité. Yon famille ou yon ami ou abonné à Info 5 pour capable toujours être connecté avec bon information. Jeudi à ce jeudi 20 avril 2023. Question groupe armé en de pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Rive nan au niveau nous pour que jamwe. Oui, dans l'année 2000, 2004, 2003, pays d'Haïti gen groupe armé qui a opéré. 2005, 2006 à 2010, pays d'Haïti gon paquet l'autre groupe armé. Mais qualité, en pleur ça que groupe armé yo apprend jeune jodi à la, nous pouvons chamouel le pays ya. Côté chaque jour, pi plus, ya valé plus terrain. Côté chaque jour, yo gagne yon parti dans pays ya, yo décidé paralysé. Imaginez Izo qui sorti jouk nan sud pays d'Haïti. Qui atterrit dans l'ouest, presque rentré l'Artibonite, a fait pour être capable de créer la trouble avec la terre. Imaginez vite l'homme qui sortit Tosel, qui montait Pétionville. Donc, nous, c'est un cas qui grave. Côté policier obligé de baisser les armes, pété courir parce que yon pas gagné moyen pour être capable de contrecarrer Zak Banditis qui a fait en dans le pays d'Haïti. Mais toute journée, ou t'en gros formation que la police nationale d'Haïti a apprend. Ou t'en toute journée, gen matériel qui pral vini. Jusqu'à présent là, pas gen rien qui fait. Les États-Unis promettent 54 millions pour te aider. Pays d'Haïti avec la police nationale d'Haïti a jusqu'à présent kakati bef. Donc, ou levé pour garder bandit qui a assassiné maman ou devant ou. Papa ou devant ou, frère ou, soeur, petit tout. Et puis après ça, ou même, ou obligé pété courir. Ou imaginez nous, on famille gagne 14 moun, yon assassiné 13 la donne. Yon assassiné 13 la donne dans sous mat là. Est-ce qu'on comprend qui ça ça veut dire? Est-ce qu'on comprend qui genre de sentiment? Qui genre d'émotion que ça pral développer la kay green moun ça qui arrive échappé à? Li ka pren zam tout demain si Dieu veut. Parce qu'elle a une histoire de vengeance qui est dans la tête.
li ka foutou. Parce que à chaque fois, li imagine moun sa yo kap tombe devant jèl, l'esprit li ka pati. Donc, dans le pays d'Haïti, n'a créé un paquet de bandits, n'a créé un paquet de moun fou, n'a créé un paquet assassin. Après ça, nous pral di, oh, nous pas connait comment pays a lui-même, li fait arriver, li détériorer nan men nou comme ça. Lwa genye un green neg qui décide de rassembler yon paquet de kokorat, mette yon ensemble, ok? Le fin rassemble de kokorat yo, li jwenn moun qui te soi-disant qui responsabilité pour gérer sécurité dans pays ya ka ba yo zam ka ba yo bal pour yo faire qui ça pour yo assassiner même moun qui dans même rang avec yo qui dans même classe ensemble avec yo. Est-ce que tête nous doit tout bon vrai en dans pays d'Haïti? Est-ce que situation ça li beaucoup frustré Ariel Henry, li beaucoup frustré France LB et même li prophète qui a écrit livre sur l'histoire pays d'Haïti, qui a écrit livre sur ça que peuple haïtien te vive, je dis à la, en tant que chef de la police, qui soit décidé de faire exactement pour changer la situation. Parce que là, bordel, c'est frustrant. C'est frustrant. Qui j'en nous voulait pour le peuple évoluer comme ça? Qui j'en nous voulait pour le peuple vivre dans l'état animal, ça que nous la gueule là? Donc, je dis à la, pour toute journée, ou tendez, gen rencontre qu'a fait à ceci, gen rencontre qu'a fait à cela, pour quel résultat exactement? Expliquez-moi. Faut France LB, faut Emmanuel Prophète, faut Ariel Henry, Tachita, yon faux conférence de presse pour yon expliquer peuple exactement. Qualité opération banale, minable, inutile ça y a peine, pour qui raison exactement? C'est de quel but? Nan but pour nous assassiner peuple à plus? Parce que je ne dis à la monsieur, l'obtent des amours qui a couru, qui a touché à tirer. Nous comprenons ça, ça vient dire? L'obtent garder maman et papa qui a tombé en babal devant Géo. Vous comprenez qui ça, ça vient dire? La caille moun sa prague yon trouble psychologique. Et trouble sa capable mener le tourner yon assassin. M'dis nous ça déjà. Kouna nous prenons arrêter. Nous prenons mettre dans le code, ça nous pas même prendre compte de l'expérience que moun sa sot vive, de trauma que y a porté comme un chai sous dol au quotidien. Dans yon pays, nous avons une responsabilité pour nous bailler sécurité. Dans yon pays, nous avons une responsabilité pour nous gérer correctement, pour nous mener vers changement. Donc, je vous dis à la, nous fiers pour nous prendre tête, nous, chef d'État. Nous fiers pour nous monter avion toute journée. Parce que par là, tant que ces petits oiseaux, nous pourrons représenter le pays d'Haïti. Non qui ça exactement? Non qui ça? À chaque rencontre, nous parlons ensemble avec le couille dans mes nous. Nous demandons sécurité. Oui, nous demandons sécurité. Comme si c'est moun sa ou même qui pouvait venir gérer la sécurité pour nous. Nous demandons manger. On cuit nan menou, nan mande tout bagay net, mba koune si se mara sa nouye, mba koune ki sa nouye, si se l'Afrique Guinée nouye, fa ou mélange tout bagay vieille yom, fa ou mélange banane, mélange tout bagay pour nous, parce que c'est ça nous besoin. Nan plat la fa ou met sécurité, nan plat la fa ou met manje, fa ou met la santé, fa ou met l'éducation, fa ou met morceau qui l'ti pour nous. Nan plat la fa ou met ti morceau route, ti morceau machine, ti morceau infrastructure, ti morceau dignité, ti morceau moralité. Conscience, nan faut rassemblement. Mais qui ça rassemblement ça baille? Tout journée n'a fait rassemblement, pas si et pas là. Qui ça le baille définitivement? Mais non, ça fait auto chez méprise au cochon. Parce que nan moment là, monsieur, chez moi, il y a passé quelques haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti, oui. Ou imaginez, ou vivre avec yon qui saute au quotidien. Ou donne un sachet de l'eau pété. Oui, Jésus. Ou senti tout mal nous aller. Ou senti tout l'espoir aller. Ou kon sa ki pidion. Ou traîner Perez sa de yo. Nan n'importe pays que ou aller. Ou en y ten nou katouche tire. Ou senti son bakaban ou ta rentre. Ou senti ta tout nou fumi pour rentre batte. Alors que bagay yo différent nan pays sa que ou aller ya. Je dis à la, je trouve que le gouvernement Ariel Henry a très audacieux pour qu'il y ait quelques déclarations pour la faire. Pour qu'il y ait quelques rencontres pour la faire.
Et me trouve Maria Isabel Salvador très soussou. Si il capable de rentrer dans le pays là. Parce que avant de rentrer dans le pays là, elle a li m'bal yon rapport. Li suit situation pays d'Haïti ya. Pour que courage ou vini, pour féliciter gouvernement Ariel Henry pour travail a fait. Et mais madame, ça veut dire là, ou vin enterrer peuple là. Si ça ka passe à la, ou féliciter Ariel Henry pour lui, ou vin enterrer peuple là. Pas ge menti la donne, pas ge à sortir de là, ou vin enterrer peuple là. Qui l'est exactement, gouvernement Ariel Henry a pris responsabilité. Yo peuple qui a l'agonie. Yo peuple qui ose aboyer. Et puis nous dit n'a dirigé. Et puis nous dit n'a pensé pour pays. De quel pays parlez-vous exactement? Et même Haïti a? Comme Haïti pas nous en différent. Comme Haïti pas nous en différent, m capable comprendre. Nous pas parler de Haïti que peuple haïtien lui-même la vive la donne. Mesdames et messieurs, commissaire gouvernement qui passe certifié à Jacques Lafontaine, mettez tête collée ensemble avec 4 6 petits commissaires à fait pour capable créer une cellule crise. Cellule crise qui pral gagner pour gérer dossier qui y jan yo. Mais qui ça Lafontaine exactement dans pays a pour Lafontaine lui-même a mettre sous pied cellule crise pour gérer dossier y jan. Ensemble, on attend déclaration Jacques Lafontaine. Qui l'a commencé? Et ben, nous commençons déjà même, parce que nous avons fait appel au commissariat, au tribunal de paix, et à travers Permanence Paquet, et que pour nous faire déferment des prévenus, et que nous attendons, nous avons plainte, et surtout plein de monde, vous voyez par exemple, qui voyait balle l'enveloppe, plein de monde, vous voyez, bah, mon cash qui a volé comme sur mon cash. D'accord? Donc, nous avons mis là pour voler comme sur mon cash. Donc, plein de ça, vous déposez pour nous poursuivre, nous avons mis une balle ou l'enveloppe, portez bah nous. Balio à toute enveloppe là pour capable faire empreinte pour nous prendre ça yo. Les arrêter ou pas jamais capable libérer encore. OK pour passer vie en prison pour pas perpétuité. OK devant tribunal. Donc c'est ça nous demander surtout plein de ça nous besoin yo. Moun k'ap vu le ti moun, vakabo k'ap pose gros voix yo. Yo c'est moun éclairé, les gros voix, yo gen gros voix yo, on connait qu'on parler et puis a vu le ti moun 16 ans, porter vie nous pour arrêter yo. On men nèg ki pran pose yo, c'est Mister Clean yo. Et bien, toute action, bah, Charles, portez-vous à nous, portez plainte. Ok? Oui. Vous disposez, vous oui, pour nous arrêter, pour nous voir devant le tribunal, droit commun. Commissaire, oui. Dernièrement, plusieurs grévistes ont été rencontrés avec le Premier ministre, dont le ministre de la Justice. Et vous-même, qui a collaboré ensemble avec Monsao depuis proche, qui démarche que vous-même. Non, bouge pas ensemble avec eux, qui a fait pour faciliter grève la lien lever. Oui, moi même dit que fuck yo, tendez commissaire. Et puis ouais ensemble avec yo et yon une meilleure formule pour capable de sortir de la crise là. Bon moi même pas oublier que je ne suis pas le premier ministre et je ne suis pas le ministre de la justice et que c'est un commissaire gouvernement et que job moi limité par rapport avec revendication ras-le-bol. Et desiderata, commissaire va exprimer là, d'accord? Donc, pas qu'à solutionner le problème, moi-même. Parce que je ne pas virer l'argent, moi-même. D'accord? Je ne pas virer l'argent, je ne signature devant le ministre des Finances, etc. Mais même dire que faut chercher un moyen pour rejoindre une solution à la crise. Et ce que je connais, le ministre, c'est un monde qui est bien comme ça l'a fait. Et en ce sens, je connais, PM dans tout, c'est un monde qui connaît, comprend la situation d'emploi et lit. Je suis certain que Gomba est capable de dégager de toute façon. Concerne l'objectif de la grève magistrale. Et concerne la grève magistrale, je me dis que. Oui, est-ce que concerne l'objectif de la grève? Oui, l'objectif de la grève, c'est demander augmentation salaire par rapport au magistrat assis. Parce qu'ils ont dévancé nous par rapport avec les privilèges aux guerres. D'accord? Mais dans le chat, on te demande. Mais pas oublier que Paris n'a pas été construit en un jour. D'accord? Donc, même parce que, il faut nous comprendre que Rome n'a pas été construit en un jour. Et que maintenant. Et je pense qu'il faut comprendre que l'État haïtien est limité dans ses prévisions budgétaires. Sont-ils étaliés par un gros moyen pour faire tout le bagaille? Donc, je pense que nous avons fait quand même. C'est le digest là, on l'a bout quand même. Pour combien de mois là? Nous ne connaissons pas la non-stop jusqu'à ce que tout le bagaille vienne à la normalité. D'accord?
Mais nous connaissons CGI pas seulement dans la juridiction sacrée qui est grève là. Est-ce que nous-mêmes, quand tu es dans la juridiction pour là, ou on peut parler avec l'autre commissaire du gouvernement dans la juridiction? Non, non, non. Je suis le commissaire de Port-au-Prince. Je pas commissaire d'État, encore moins de la République. Je ne suis pas capable de négocier rien avec l'autre commissaire. C'est eux-mêmes qui ont fait. Mais moi-même, de mon côté, moi demandé une trêve et moi instauré une cellule d'urgence pour nous capables de traiter les dossiers urgents et pour nous capables de faire la vie revenir dans le tribunal là pour que l'avocat capable de plaider. Parce que pas moi-même, c'est un rare commissaire qui plaide normalement par devant et ce soit dans le tribunal, dans l'audience pénale et audience civile. Je ne suis pas payé et capable tout le monde ça me café. D'accord? Très bien. Il faut nous plaider, avocat nous plaider, faire plaidoirie, bon droit, bon français. Ok monsieur, merci beaucoup. D'accord. Bon, et m'a dit, m'a salué la presse en ligne, télévisée, comment, qui est la presse qu'il a en ligne, etc. Parce que nous mettons micro nous, caméra nous, sous moi là, et pour nous capables de répondre à la question que nous posons. Bon, effectivement, gagné magistrat de Bouillot à travers une organisation, un syndicat de magistrats qui est le COMAD, que moi-même fais partie là-dedans. Et maintenant, il a été annoncé en grève et qui, aujourd'hui, a, et qui gagne à peu près 2 mois là, bah ouais, c'est ça? Pendant 2 mois de grève. Il m'a dit, c'est dans tout pays du monde grève là, il participait dans le processus de démocratie, qui sont revendications sociales, qui pour côté des mondes exprimer des idératayoral bolio par rapport à la situation qu'il a traversée eux-mêmes, soit en termes de demande d'amélioration de conditions de travail, en termes de salaire, etc. Donc à ce sujet, et c'est à bon droit pour que COMAD fait grève. Mais il doit connaître tout, et comme il connaît d'ailleurs, il n'est pas capable d'interrompre de manière systématique l'offre de services publics et justice là. Parce que concitoyens, ils sont en situation de détention préventive prolongée arbitraire, et que maintenant, il faut que nous adressions les problèmes à eux pour que nous soyons capables d'alléger les questions. Donc moi-même, en tant que commissaire du gouvernement, il n'y a pas de bédavem, c'est des collègues, c'est des confrères. Et que je parle avec certains d'entre eux, notamment le commissaire Obou, le commissaire Zami, le commissaire Jéhir, et me faire comprendre la nécessité pour nous faire notre rêve. Bah, notre rêve, ce qui n'a pas allégé la situation, ça, on a dit là. Et que maintenant, voilà pourquoi moi j'ai fait appel à la trêve là, mais il n'y a pas de temps de sous trêve là, et moi-même, moi j'ai décidé de commun accord avec 4 substituts, 4 autres magistrats, pour nous montrer une cellule de crise. Et parce que même en temps de guerre, il faut gagner un espace pour aménager, pour être capable de traiter des dossiers urgents. Donc c'est dans ce sens-là, nous avons monté une cellule de crise là, et nous avons à côté de la commissaire Winnie de Legem, à ma droite, et à ma gauche, nous avons commissaire magistrat Choubert Baptiste, et le commissaire Rosier Villevert qui n'est pas présent avec nous sur la table, je ne sais pas trop pourquoi, et nous gagnons le commissaire Antoine, et à qui j'avais parlé la fois dernière, et qui pour qu'on certainement ait prêté ses mains, mais il gagne une lettre de transfert dans Mélie, et il a fait suivre prêter ses mains pour être capable de retrouver nous, non, et c'est lui qui a écrit ça. Et nous, quoi que gagne de l'autre magistrat, qui a retrouvé nous, dans celui-là pour être capable de travailler comme ça. Mais je ne m'ai pas ajouté que celui de crise de Montéa n'a pas une mission pour lui combattre grève magistrat. Je rappelle hein, que cette cellule de crise montée n'a pas aucune mission pour lui combattre ou pour faire échec à grève magistrat. Je rappelle que magistrat a un droit pour faire grève, pour demander conditions améliorées. Le manque d'augmentation de salaire, c'est bien, et exprimer le bol, mais il connaît même avec que aussi loin au cas pousser le bol, il a poussé des idées, mais il n'est pas capable non plus d'interrompre l'offre de services publics
justice là parce que il y a des gens qui besoin un certificat pour y aller, font études à l'étranger. Au moins il faut légaliser. Si un monde qui mourit, quoi a commencé à décomposer, faut que nous balayons réquisition apparent pour y aller bail non pour finir pour procéder à funérailles là. Si il y a un corps qui est tombé par terre, soit par balle ou par autre circonstance, mais faut gagner un commissaire qui font réquisition à un OPJ ou à un juge pour capable lever. Donc c'est-à-dire pour ces raisons, nous demandons un couloir d'urgence humanitaire pour que nous capables traiter des dossiers urgents. Comme par exemple samedi là. Donc par exemple nous capables tout en même temps et m'pas dit nous pas entrer d'emblée dans toute activité. Mais il y a des dossiers, par exemple, si on vient là, et dans le tribunal là, nous sommes capables de procéder à l'application de la loi du 6 mai 1927, c'est-à-dire sous comparution immédiate. Nous jugeons maintenant immédiatement et que l'on est capable de condamner le calibre libéré. Maintenant, voilà de quoi il s'agit aujourd'hui par rapport à cette grève de magistrats du groupe. Mais pas affaibli grève là? Et il pas m'a dit la pas faible, il m'a pas connaît, mais moi même pas gagné dans tête pour mission pour projet pour m'affaiblir grave magistrat. Seulement nous dit faut nous aménager le couloir d'urgence humanitaire. Commissaire, il y a un commissaire gouvernement qui est très proche autorité de l'intérieur de justice là. Est-ce que et l'autre magistrat va penser que c'est boycotter ou boycotter? Et monsieur attendez, moi reprendre encore, on dit non. C'est pas qu'à boycotter grève yo. Même c'est Jacques Lafontaine, yo même son paquet yo. Et il y a 4 personnes qui avaient. Maintenant, pour 4 personnes, comment est-ce capable de traiter des dossiers urgents? Ok? Comment est-ce capable de faire bien? Et, bam nous bien. Mais nous écrit avocat autour de parler. Avocat dit que y a un bout de souffle. Si vous avez un dossier à traiter, faut être capable de poser une requête, vous êtes capable d'aller devant un juge, vous êtes devant un cabinet d'instruction. Donc, faut nous faire la vie retourner dans le tribunal. Là. D'accord? Donc, maintenant, on a commencé. Et puis, nous pensons que le gouvernement lui-même est capable de continuer. On a un dialogue permanent avec le magistrat pour trouver une solution à la crise. C'est d'accord. Commissaire, tu as l'air sorti détention préventive, prolongée arbitraire. Ou arbitraire. Qu'est-ce qui fait ça? Ou arbitraire, oui. Ou arbitraire, qu'est-ce qui fait ça? Je veux dire, par exemple, il y a des gens qui arrêtent et puis qui ne peuvent pas passer devant le juge. Ou d'accord? La détention préventive, c'est les gens en attente de son jugement. D'accord? Mais il y a des gens dans la détention pour raison qui ne peuvent pas jamais voir le juge tout un jour. Nous qualifions ça de détention arbitraire. D'accord? Donc c'est la différence. Oui. En tant que commissaire du gouvernement, mais Jacques Lafontaine mettait cellule sous pied. Cellule ça qui pral goumé ensemble avec question qui urgent yo. Et pas goumé non, qui pral résoudre, pardon. Jacques Lafontaine a fait conférence de presse. Youn nan moun qui nan cellule là, li pa la. Jacques Lafontaine répond, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, il n'y a pas de contact avec moun sa. Gen yon lot qui peut même prêter serment en tant que magistrat. Li nan cellule là. Donc, est-ce que c'est pas exprès nous fait? Non, expliquez-moi, est-ce que c'est pas exprès nous fait? Oui, pays d'Haïti, vrai, son territoire perdu. Et c'est journée jodi à la. Je ne dis à la, m'a confirmé que le pays d'Haïti en soi, son pays qui perdu. Parce que si ce genre de moun sa yo, qui a dirigé toujours, si ce genre de moun sa yo, qui a possibilité pour gen la parole toujours, oui, pays d'Haïti, son territoire perdu que lié, pas gagné à sortir de là. Non, c'est grave. C'est vraiment grave. Nous faisons comme si nous pas ouais. Nous faisons comme si nous ne comprenions pas. Mais en analyse, nous analyser la situation, il faut que nous soyons capables de voir que nous avons une faille qui commence trop pour nous. Et si nous ne sommes pas capables pour nous résoudre la situation, nous tous la plongé dans la faille. Question section République Dominicaine, encore une fois, Yuri la tortue lui-même, lui répond. Répond Yuri la tortue répond non c'est pour capable déclarer que jusqu'à présent mesdames et messieurs eh bien Luis Abinader ses affaires tis ami taille l'a réglé mais par contre au début Yuri la tortue te déclaré Luis Abinader fait fly n'a continué produit ni son menace
pour intérêt Luis Abinadel. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, entendez, ancien sénateur de Tibonitlan, Yuri La Tortue, notre co-correspondant, nous, Josué Belamour. On dit qu'on va plus les sanctions, faut pas faire piquer couler, faut pas faire passe pour qui. Et je dis, là, on a tiré dans piquer couler et on fait passe pour qui, on fait fly. Et Abinadel fait fly. Et dans le pays d'Haïti, il fait fly la caille. Parce que je ne sais pas qu'on est sous tandis. Il y a un petit gros interview qui parle dans la télévision dominicaine hier, côté que tout le monde dominicain a révolté contre Abinader. Il a dit que Abinader lui fait piquer couler côté le retirer un gros homme d'affaires haïtien. Eh bien, agriculteur dominicain qui Santiago, il a dit que là où il n'y a pas pu sanctionner, il faut piquer contre Abinader. Il a dit que Abinader lui fait piquer couler côté le retirer un gros homme d'affaires haïtien, et lui-même se finance campagne, lui c'est pas un passe pour qui, et lui livre le pays avec haïtien. Donc, monsieur, mais ça a fait que la Kaili gagne, eh bien, un pile dominicain qui révolte contre lui. Mais, ici tout, le, lui prend sanction, pour ça, lui montre que c'est passe pour qui, lui, et c'est les, là, tout le fait fly. Parce que, Abinader doit connaître que, un pile haïtien, lui gagne déjà antécédent, pays, gagne antécédent avec eux. Et c'est pour ça que la fond bagage, il faut le faire de façon objective. Et objectif, ça, ça veut dire que, ça veut dire que, ou rester, soit dans l'île, pour appuyer, ou bien, ou même tout, on va dire appuyer, ou dire que, ou même, ou prend sanction. Donc, lui-même, il rentre dans l'île de l'appuyer, et, dans la réalité, son piqué collé, il choisit des mondes, donc, il dit qu'il y a un antécédent avec. Dans ce sens-là, moi, je pense que, je dis, le président Abinader, font piquer coller pour que les tout régler question personnelle, les lui retirer le monde qui n'a pas de problème avec elle, et puis les quitter le monde qui n'a pas de problème avec elle. Moi, j'ai trois papiers. Kounia la Yuri La Tortue, excusez-moi. Yuri La Tortue déclaré Luis Abinader retirer le monde qui n'a pas de compte avec yo. Les quitter le monde qui n'a pas de compte avec yo. Kounia dim qui compte ou gagne avec Luis Abinader. Dim qui compte que Izo gagne avec Luis Abinader. Dim qui compte Chérif Abdallah gagne avec Luis Abinader. Parce que jusqu'à présent là, go pa ket explication na PC bay qui vraiment flou. Oui, faut que nous défendons tête nous. Yo ba nous interdiction, yo ba nous section, yo ba jeler bien nous. Oui, faut que nous défendons tête nous. Mais comment? Comment Yuri? Est-ce que c'est parce que li pa nan contact matéri? Et ça veut dire qui fait que li pa mette sanction contre lui? Waouh! Donc ça veut dire si matéri était dans dossier, hein? Si matéri était fait partie de 39 moun que président dominicain sanctionné, go pa kèt nou ki pa t'ap gen problème avec sanction. Mais comme li pa là, son piqué konn ka fait. Non me comprend oui? Moi comprendre. Avec le République dominicaine, que tout le monde connaît. C'est l'homme convoqué, sénateur Bautista, qui a un contrat de 400 millions de dollars avec le gouvernement haïtien. Et là, moi-même, j'ai vérifié le contrat ça. Ouais, c'est simplement le travail qui est fait pour 20 millions de dollars. Il y a 380 millions de dollars qui se disparaissent dans comme ça. Là, moi-même, j'ai fait l'être là, il m'a fait un copie Baou pour me demander si sénateur Bautista vient dans le pays. Eh bien, moi, j'ai contrôlé que le Parlement dominicain et le gouvernement, quand ils comptent moins, je lui ai dit que je n'ai pas de droit à ça, mais je lui ai rappelé que je n'ai pas de convoquer le sénateur, moi, j'ai convoqué entrepreneur qui gagne 400 millions de dollars, l'État haïtien en mer. Deuxième bagaille, là que le soldat dominicain est rentré dans le pays en cachette, moi-même, moi, j'étais allé à Marine haïtienne, moi, j'étais ouéo, et j'étais un sénateur, sénatrice qui était là tout, et moi, j'ai dit que non seulement des soldats dominicains sur le territoire, mais ils ont entré en cachette. Et que faut quitter le pays. Ils ont quitter le pays. Conseillers ont entré en contact avec eux. Et je me disais, président Medina, personnellement, je lui ai expliqué ça. Je lui ai expliqué que je n'ai pas de problème. Je lui ai dit, moi, j'ai un problème à la République dominicaine. Je lui ai dit, non, président, je n'ai pas de problème ni à l'armée dominicaine, ni à la République dominicaine, son pays sœur. Cependant, si on connaît le sens de l'histoire, soldat dominicain pour la vie comme ça en Haïti. Et vous te comprenez moi. Mais troisième bagage qui vient remettre le problème, yo, c'est surtout sous président Abinader, c'est là que, eh bien, agriculteur dominicain qui Santiago, yo vient déclarer son danger pour l'agriculture dominicaine. Et là, ça, yo te dit que c'est parce que moi-même, je représente un symbole. Oh!
Yuri la torture représente un symbole. Donc nous tendez pour qui raison Luis Abinader lui-même lui arrivé sanctionner Yuri la torture, c'est parce que il est une menace pour agriculture République Dominicaine, non? C'est tout agriculture que moun a fait dans Santiago de los Caraberos. Et mais mesdames et messieurs, qu'est-ce que sanction Luis Abinader ça son l'autre causé. J'aime te annoncer nous puis devant nous gain Ariel Henry. Ariel Henry qui t'a parlé de élection. Il est important pour nous entendre Ariel Henry qui a parlé sur la question de l'élection qui pral fait dans pays d'Haïti côté bandi a pété moun de yo en la caillou. Est-ce que moun yo qui te courir ensemble avec carte identification nationale yo puis t'a voté? M'arrêter quoi ça parce que son coup saisi yo prend. Yo pa gen temps pour chercher carte électorale parce que si tout grand moun yo bagay yo toujours bien caché en bas au matelas, yo pa gen temps pour lever matelas, c'est la vie yo envie sauver. Peut-être ti mesdames yo, ti messieurs yo qui toujours après recevoir transfert international, ça qui veut dire carte d'identification toujours dans poche yo pour si yo ka dans la ria, yo recevoir un papier transfert et puis pip yo entre dans bureau là et puis yo recevoir. Ensemble, entre déclaration Ariel Henry. Au niveau du gouvernement, nous faisons ce qu'il faut, en concertation avec le Haut Conseil de la Transition, pour parvenir dans les meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est la condition sine qua non. Du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Et j'attends les propositions qui sortiront de ces 3 jours du sommet de la finance avec impatience. Au niveau du gouvernement, la pauvreté, nous faisons... OK. Ariel Henry, à travers le gouvernement, a travaillé en concertation ensemble avec le Conseil de transition pour être capable de gommer pour tourner dans une situation normale pays d'Haïti. Dans un petit temps qui n'est pas trop long parce que c'est la condition sine qua non. Non, ou à un moment là, je trouve que le gouvernement avec le Conseil de transition vraiment a travaillé en pile pour la situation pays d'Haïti. Ou c'est pour travailler, il a travaillé en pile. Ministère de la Justice a travaillé, la police nationale d'Haïti a travaillé, chef gouvernement a travaillé, ministère intérieur collectivité territoriale a travaillé, et moun ka pran sanction yo a travaillé, parce que y a sanctionné yo, y a continué à mettre bagage en bandi. Y a bay bandi bal, y a acheté zam pou bandi. Ça veut dire, yo poko je le fond yo. Yo poko sezi bien yo, donc moun sa yo gen capacité à possibilité toujours pour yon capable financer groupe armé. Donc Ariel Henry a parlé de remise sur pied des institutions démocratiques. Ariel Henry a parlé de stabilité pays d'Haïti. Qui laisse stabilité ça a fait? Donc, ou machin va organiser une élection dans le chaos ça. Le fin organiser élection dans qualité chaos si là. Et puis ou dit ou pral fè yon passation de pouvoir. Passation de pouvoir ça a fin fait. Dim ki jan. Président sa pral commence travail exactement dans pays a. Parlavem pour expliquer comment moun sa ki pral prend pouvoir pral fè redresser pays d'Haïti si nous même là qui kite ke plus passé 20 mois sous pouvoir nous poko jamais fait rien pour nous redresser situation. Au contraire, c'est dans trou nan plage moun pi plus. Donc parlavem Ariel Henry, nan ki condition exactement ou pral organiser élection dans pays d'Haïti là? Ki condition? Comme on crée les conditions, pas de problème. Puis devant, mesdames et messieurs, nous avons PM Ariel Henry, nous avons continué ensemble avec lui, qui t'a parlé de l'insécurité en Haïti et la solution de l'insécurité. Ensemble, entre des PM Ariel Henry. C'est la responsabilité de l'État d'assurer à tous et à chacun la sécurité indispensable. Et... T'as le
Emily prophète là pour t'entendre. Est-ce que Emily prophète là pour t'entendre? Bon me rebalancer pour encore. Tarabem. C'est la responsabilité de l'État, oui, d'assurer à tous et à chacun la sécurité indispensable. C'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité à tous, une sécurité indispensable. Donc là, Ariel Henry connaît que c'est lui-même à travers le gouvernement là qui pour bailler peuple la sécurité. Mais Emily Prophète qui n'est pas là. Non sommet de la finance là, Emily Prophète semble pas là. Comme sous pas là, nous faut attendre. Parce que question pour dire que pays d'Haïti chargé territoire perdu, faut qu'on capable secouer quoi madame. Faut qu'on capable bouger quoi, réveiller madame. Parce que c'est nous qui avons responsabilité pour nous bailler peuple la sécurité. Et une prévisibilité certaine, okay, sur l'évolution de la situation générale du pays. Uh-huh. Sécurité pour la libre circulation sans risque des personnes et des biens. Uh-huh. Sécurité contre les agressions des gangs armés. Sécurité juridique pour garantir les droits de propriété foncière. Le Ariel Henry. Sécurité foncière, sécurité publique, sécurité justice, sécurité administrative. Nous avons un laps de temps pour faire ça, pas vrai? Quand il y a Balthazar, semble Ariel Henry a essayé de pouvoir indéfiniment. Non, semble Ariel Henry a un autre projet pour le pays d'Haïti. Parce que, sous pas 20 mois, frère, justice ou dégradée, ou pas 20 mois, question sécurité physique, pas gagné dans le pays. Sécurité publique, pas gagné dans le pays. Donc, expliquez-moi exactement qui je pourrais le faire. Pour la sécurité, moi, combien moi crée? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, 8 mois. Pendant 8 mois, ça, faut élection. Lui-même, il est annoncé au moins depuis mois juillet. Peut-être, résultat premier tour, il y a un mois novembre. Si y a un deuxième tour, résultat supposé bail un mois janvier. Donc, expliquez-moi. Comme tout nous avons façon de créer sécurité dans le pays, nous connaissons qui j'en nous créer, nous connaissons qui j'en nous pral décortiquer l'insécurité. Donc, nous capable de comprendre que dans un laps de temps, nous capable de retourner ensemble avec sécurité dans le pays d'Haïti. Ça, c'est sûr. En fait, tout ce qui est en son pouvoir pour mieux équiper et mieux former nos forces de sécurité nationale. Mm-hmm. Pas facile, mais nous y travaillons. Il est évident que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Nous avons des raisons. De vous battre des nègres, travail, y'a travail. Voilà, Ariel Henry a gouvernement, y'a travail. André Michel a travail. Nous battons, y'a travail pour y'a bail pays d'Haïti sécurité. Parce que la situation n'est pas capable de durer comme ça. Mais avant de rester, sautons en silence nous. Avant de rester sur ton patrou, ça n'a pas travail là, papa. À la deux moun qui a mouru dans le pays d'Haïti. À la deux moun qui a kidnappé dans le pays d'Haïti. À la deux moun qui a fait faillite dans le pays d'Haïti. Mais, rien ne réagit sur lui. Merci, Martelly. J'espère que la donne va changer notre. Je prendrai un troisième exemple. Mm-hmm. C'est le secteur de la construction, du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur est pratiquement vierge. Et devrait intéresser les investisseurs. Mais ceci suppose que l'État prenne ses responsabilités en faisant respecter les normes et en veillant à ce que notre système judiciaire fasse respecter le droit de propriété et que les forces de l'ordre prêtent main forte pour l'exécution des jugements. Qui plaît Ariel Henry a porté peuple là? A passe, Ariel Henry a vint dit peuple là, dans ce cas, l'État doit prendre ses responsabilités. Bon, qui plaît Ariel Henry vint porté peuple là, même mes amis? Bon, nan qui sa ti peuple sa prend là? Nan qui sa ti peuple sa tombe là, Seigneur Jésus de Nazareth? Oh! Ariel Henry vint carrément, li vint porté peuple là, plaît. Ariel Henry, ou ap chercher investisseur? Hein?
C'est que tes bâtiments vierge, ou à chercher moun pour venir dévierger pour. Donc ça veut dire, Ariel Henry possède tout bon vrai, bon haïtien là qui pral vin, investi dans le pays d'Haïti. Avec une situation qui aussi macabre, avec une situation qui aussi dégoûtant, une situation qui baye pérez seulement. Ariel Henry a cherché investisseur. C'est la de Miami, yo frère, yo pas d'accord avec vous. Ah là, deux problèmes, papa. C'est aussi la responsabilité de l'État d'améliorer les infrastructures et les services publics. Les routes, l'eau potable, l'électricité et l'énergie, les services de santé. J'encourage vivement le CFI à redoubler d'efforts dans l'exécution de sa mission en tant qu'agence gouvernementale de promotion des investissements. Cette institution doit se montrer plus agressive dans la mise en œuvre de sa stratégie de recherche, d'encouragement et d'accompagnement des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, sans oublier la diaspora. Nous disons que notre pays est une terre d'opportunités pour les investisseurs. Encore faut-il que cela se sache à l'extérieur. Les images négatives qui circulent ces derniers temps sur notre pays sont susceptibles de décourager les investisseurs. Il incombe au CFI de faire connaître partout les avantages incitatifs de notre code des investissements, la qualité et la résilience de notre main-d'œuvre. En lisant ce que la presse internationale écrit et dit de ce qui se passe dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'un a du mal à croire que dans nos provinces, les choses sont bien différentes. Eh? Dans nos provinces, les choses sont bien différentes? Information, Ariel, pas au courant de vous. Dans nos provinces, les choses sont différentes? Comme Canaan est dans la capitale, il n'y a pas de danger. Comme Sousmat est dans la capitale, il n'y a pas de danger. Comme Cabaret est dans la capitale, l'Allier, pas de danger. Savien est dans la capitale, l'Allier, tout bagaille différent là. Guamon, Cocorat, Seras, c'est dans la capitale, l'Allier, tout bagaille différent. Et pas vrai? Matissan, papa, est dans la capitale, l'Allier, tout bagaille différent. Bandi ka opéré au Kay, au Cap, ka opéré dans le centre, ka opéré dans le département NIP, bandi qui a opéré dans le département du Nord-Ouest, dans la capitale là où yé. Donc tout bagay différent dans la ville de province nous. Saint-Louis du Nord a frappé, au Boy Tibouk a frappé, parce que moi se voit des cris d'alarme de côté sa yo. Moun kap relèm ki kite note vocale pou mwen kap di mes amis Fabela t'a pri parler pour nous. T'a pri parler pour nous parce que Tibouko boy mais ki sa ki genye? Mais ki sa ki genye sou zile la Gonave? Mais ki sa ki genye a la tortue? Mais ki sa ki genye? Kou nou dim nan ville de profession tout bagay yo tout à fait différent, pas vrai Ariel? Non, tout bagay différent vrai. Ça c'est sûr. Je le répète souvent, ce n'est pas l'aide internationale humanitaire qui peut sortir notre pays du marasme. Allez. Ce sont les investissements directs étrangers, créateurs d'emplois durables et bien rémunérés qu'ils feront. D'où la nécessité pour le CFI de mettre rapidement en œuvre des stratégies, des politiques actives de promotion des investissements. C'est la responsabilité. À part Ariel Henry dit qu'on s'est toujours dit que ce n'est pas aide internationale là qui pourrait retirer nous dans sa nouée à là, mais c'est des investissements directs. Si ce n'est pas aide internationale là qui a retiré nous dans sa nouée à là, pour qu'il ça toute journée, n'a crié. Nuit et jour,
Nous pas gite bloc kret nan quoi nous encore pour nous demander aux États-Unis de prix font bagay pour nous. Pour qui ça toute journée, André Michel, SDP, qui fait partie de pouvoir la journée jodi à la, presque crié pour demander communauté internationale là rassembler tout soldat qui existait vienne combattre insécurité pour nous en Haïti. Ou toujours dit que c'est pas aide là qui pral aider nous, c'est investissement direct. Kounya là expliquez PM Ariel Henry qui côté exactement ou pral joindre investissement direct si là. Non, faut qu'on capable gè cran journée jodi à la Ariel pour expliquer peuple là qui jan investissement direct ça pral arriver fait dans pays ya. Yo pays côté chaque jour lien bouleverse. Yo pays qui gè crise carburant. Yo pays côté goud a tout fait en bas mais dollars. Yo pays qui pa gè production nationale. Yo pays qui importe plus parce que ça li même li exporte. Yo pays qui pa gè l'éducation et me dit nous ça, yo pays qui sans éducation son pays qui condamné à mourir. Jean l'autre la te dit là, pour craser yon pays, ou pas besoin voye bombe. Ou pas besoin voye missile. Ou pas besoin voye tremblement de terre artificiel. Ou pas besoin ça pour craser pays ya. Seulement bay neg qui ignorant dirige. Fermer toute l'école et puis légaliser corruption. Nan 20 ans, ou ap gon peyi ki krasé parce que sou pa kèt bon ignorant ki pral dirije. Et même ça qui passe pays d'Haïti. Je mettrai Aristide te trop sophistiqué. Yo pas capable faire je mettrai Aristide kabal éducation. Kounye al fè sa sou ta fiate ya. Kote de gars fin bwet afial la chéri doudou, mal di nou. Li fin bwet afial kon sa. Ça bon men, comme ça. Ça bon. Et puis là les papiers ont été mal signé yo. Quand on m'a signé s'il vous plaît. OK. Minoterie, nous vend ça. Oh, bon moi qui s'en bat encore. Et cimenterie d'Haïti. OK, n'a pas ça. Et qui s'en bat encore, qui s'en bat encore, nous qui que temps pour prison. Ah OK, nous bail ça. Et puis le déposer. Li déposé. Meni. OK? Meni. Kounya la, yo légalisé corruption. Yo montre nous que la corruption, c'est la plus belle chose, la plus belle relation qu'on ne peut imaginer. C'est cette relation ça qu'on moun capable joindre, qu'a fait sentir bien, qu'a fait sentir confortable. Ou Jésus, voilà, pour que ap éjaculer bien dans mon papa. OK? Pour là où l'argent vini, pour gérer un bagage dans le pays, ou prendre ou acheter gros machine, gros Mercedes, et puis bel caillou, ou clean. Oubliez le pays. Ou pas investir dans l'éducation. Qu'on a pas non pas investir dans l'éducation. Hein? Ou imaginons, des gens jusqu'à présent, qui pas qu'à dire matricule fiscale. Et matricule. Des gens qui pas connaître 12 commandements parce que yo pas connaître. Gen moun, mesdames et messieurs, jusqu'à présent, c'est goumé à goumé, puis ouais, est-ce que vous êtes capable d'écrire non, yo? Descendez dans le bureau de transfert dernièrement. Puisque le signal n'a pas fini trop bon, m'rete apton. M'rete apton. Mais, gon monsieur qui était avant, il y a une petite fille bon côté. Une petite fille qui a 15 à 16 ans. Oui, 15 à 16 ans. Pour minimum, maximum n'a pas 18 ans. Et puis monsieur a passé avant. Là il rivé dame nan di code d'identification nationale li bay li. Konya comme ça te prend temps pour transférer la sorti, nous rete, nous chita, n'a prétend. Est-ce qu'on connaît le fiche transfert la sorti pour signer et ti petite là qui obligé signer pour papa? Parce que monsieur a lui-même, il n'a pas de mosso l'évasion, il n'a pas de mosso l'éducation. Donc je dis à la, pour nous prendre pays, nous mettons un paquet, soi-disant avec ça, la donne. André Michel, gros avocat. OK?
Major Michel, gros militant politique. Ariel Henry, gros chirurgien. Nous prenons Emily Prophète, gros écrivaine. Nous mettons dirigé pays parce que nous pensons que moun sa yo te ka au moins pour yon solution. Et mais qui est ce qui kaba peuple ici encore? Li parle que moun sa yo soi-disant nous bay dirigé ya. Corruption tellement ancré dans vin yo, jodi a la. Pays a li même li pas capable avancer. Mais qui situation actuellement n'a fait face ensemble avec lui dans le pays d'Haïti? Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Evans Paul, Evans Paul fait gros déclaration. Evans Paul, pas de jam parti pour l'exil. Tout détail, c'est pour prochaine sortie rubrique nous, demain matin, 9h. Pas oublier branché parce que nous pourrons jouer une bagaille dans nous. Nous bon rendez-vous pour une prochaine rubrique. Restez bénis et protégez tête nous. Bye bye. À une prochaine fois.